Alpes et du Jura, la région du Bugey a été longtemps, elle a abrité un trésor gourmand à base de lait écrémé, le ramequin. Seuls deux producteurs fabriquent encore ce fromage de vache. On peut aussi le déguster en fondu. À Aranda, dans l'Ain, on retrouve Céline Blampin et Yves Delécluse. Sa couleur est unique, son goût particulièrement prononcé. Pour l'apprécier, il faut même un peu d'exercice. La première fois, on dit que ça surprend. La deuxième fois, on s'habitue. Et la troisième fois, on adore. À 800 mètres d'altitude sur les derniers contreforts du massif jurassien, voici le pays glacial du Haut-Bugey. Ici, les fromages sont bavards. Ils racontent la terre qui les porte et le caractère des habitants. Mon lait, je ne veux pas qu'il passe dans un tank à lait parce qu'il est complètement modifié. Donc moi, je veux le travailler pur. Émilie est la dernière productrice fermière de ramequin du Bugey. Un fromage fabriqué autrefois l'hiver, quand le laitier ne pouvait plus accéder aux fermes à cause de la neige. Donc c'était pour ne pas gaspiller le lait. Un fromage au lait écrémé, sans matière grasse, particulièrement difficile à travailler. Un cahier avec un lait écrémé, ça nous donne un cahier qui ne se tient pas trop bien. Un défi quotidien pour Émilie. Tout va jouer sur le cahier. L'humeur des vaches, le foin, l'humeur du trailleur, l'humeur de la fromagère. Une fois moulés, les ramequins sont salés, cendrés, retournés régulièrement et confinés pendant un mois. S'ils sont trop secs, ils sont ratés. Il a fallu à Émilie plus de 3 ans d'entraînement pour obtenir cette couleur jaune translucide et cette texture caoutchouteuse. Aujourd'hui, elle est la seule productrice au lait cru, car pour cette famille d'agriculteurs, il était inconcevable de laisser mourir le ramequin. Il est unique, mais il est très spécifique aussi. Il faut savoir l'apprécier, c'est pour du goût de tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui fait la valeur de nos fromages aussi. Particularité du ramequin, il se déguste uniquement cuisiné. À l'auberge du village, on le savoure en tarte ou en fondu, mélangé avec de l'eau et de l'ail. On met un peu d'eau, pas trop. Il est bien. C'est comment dans la bouche ? C'est collant. C'est spécial, mais c'est le ramequin. Ça ne s'explique pas. Quand on a goûté une fois, on y revient. Une explosion de saveurs pour un fromage de caractère, tout simplement inimitable. Je vais faire tomber.